Je suis partie dans ce livre sur les traces d'événements qui se sont déroulés dans ma région d'origine en Italie, c'est-à-dire la région qui se trouve entre Rome et Naples, au sud de Rome. Des événements historiques, puisque c'était en 1944, au moment de la libération de l'Italie. Ce sont des événements dont j'ai pris connaissance tard, dont je n'ai jamais parlé avec ma famille et que j'ai découvert assez récemment. Et ce sont des événements, des violences de masse, des crimes, ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce que les Nations Unies appellent des crimes de guerre, perpétrés par les troupes françaises, qui étaient soi-disant les libérateurs, sur la population civile italienne. J'ai rencontré des témoins, j'ai surtout rencontré des enfants de témoins, de victimes, on va dire, qui sont des victimes aussi. Ils avaient fui les bombardements, notamment, donc dans les hauteurs autour de son village, dans les montagnes autour de son village, comme toutes les familles de ces villages, hein, qui à l'époque ont dû fuir et s'abriter dans des cabanes, dans des grottes, pour échapper aux bombardements, pour échapper aux Allemands, et qui en fait ont été surpris là, dans les montagnes, dans ces abris de fortune, par les troupes qu'ils pensaient être les libérateurs. Eux attendaient les Américains, et ce qu'ils ont vu, c'est les troupes coloniales françaises, et surtout ce sont des personnes qui ne leur voulaient pas du tout de bien, et qui les ont massacrés, blessés, tués, violés, volés, et qui s'en sont pris à toutes les personnes, quel que soit leur âge. Ça va des enfants de 8 ans jusqu'à des personnes de plus de 80 ans. Les viols ont touché les femmes de tous les âges, ont touché les hommes aussi. Tous les hommes qui ont essayé de défendre leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs, leurs mères, la plupart du temps ont été tués, mais avant ils ont été aussi eux-mêmes violés, sodomisés, crucifiés parfois. Et cet homme auquel je pense, Alain Nolin, lui m'a raconté comment il avait essayé de défendre sa famille, la famille de sa fiancée, et comment il avait dû assister au viol de sa fiancée, qui est devenue sa femme, par les troupes marocaines. Le terme maroquinate est un néologisme qui a été formé à l'époque même, pendant les événements, et qui désignait au départ les femmes qui ont été violées par les soldats des troupes coloniales françaises. Bien sûr, ça vient de la traduction du terme marocain, mais à l'époque, on va dire que les habitants, tout ce qu'ils voyaient, c'est que c'était des soldats de couleur. Là où eux attendaient des Américains, ils ont vu des soldats de couleur arriver, qui étaient maghrébins, et qu'ils ont appelés les Marocains, à juste titre en même temps, parce que dans les troupes coloniales françaises, il y avait essentiellement des Marocains, des Algériens, un peu moins de Tunisiens, mais il y avait surtout les Goumiers. Et les Goumiers, c'était des troupes marocaines, c'était des soldats marocains, notamment des soldats qui venaient de l'Atlas au Maroc. Je me suis posé la première question qui m'a guidée pendant toutes mes interviews, toutes les rencontres que j'ai faites, toutes les recherches que j'ai faites, c'était pourquoi. Et la deuxième qui est venu quand j'ai compris qu'en fait tous ces événements étaient complètement prouvés, connus, qu'il y avait beaucoup de documents dans les archives, que certains historiens italiens avaient collecté non seulement les preuves officielles, comme les procès-verbaux de la police, comme les rapports des médecins, mais aussi les témoignages oraux qui sont enregistrés ou filmés. Donc on a vraiment tout un corpus de preuves que personne ne peut nier. Mais la deuxième question qui est venue donc, au cours de la quête, c'était comment se fait-il qu'on a oublié, qu'on a laissé tomber, qu'on n'en parle pas, que ça n'est pas inscrit dans notre histoire collective ?